frères et mon épouse, le Seigneur est bon. Amen. Le soleil n'a pas brillé, mais le Seigneur est bon. Amen. 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 Je n'ai peut-être pas eu l'emploi, mais le Seigneur est bon. Amen. Je n'ai pas tout ce que j'aurais voulu avoir, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est très bon. Quel temps on a eu avec le frère Nicole, c'est tout simplement extraordinaire comment on a conclu hier en beauté. C'était très riche en enseignement, beaucoup de révélations, beaucoup de sagesse. Et quand tu commences à calculer que 25 ans, ça te fait réaliser que Dieu peut utiliser. Et là, tu commences à te regarder. Parce que moi, j'avais 25 ans. Mais à chacun, Dieu a un chemin. À chacun, Dieu a une appel, une tâche. Une autre responsabilité, c'est de ne pas manquer ce que Dieu nous appelle à accomplir. Nous anticipons beaucoup de résultats dans les jours à venir, mais le défi c'est de juste garder l'attitude et entrer avec cette même attitude dans la conférence francophone de l'OLI. On va veiller sur notre attitude. Regarde ton voisin de lui, veille sur ton attitude. Veille sur ton attitude. Vous savez, tu ne peux pas contrôler tes circonstances. Mais la seule chose que tu contrôles, c'est ton attitude. Très souvent, on pense qu'on n'a pas le contrôle, mais tu ne contrôles pas les circonstances, tu contrôles ton attitude. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu réponds à ce qui t'arrive. Et ça a toujours été une décision. Vous savez, même être stressé, vous savez que tu peux te décider de ne pas être stressé. Alléluia. Amen. Même le stress, tu peux décider de ne pas t'imposer ou subir le stress. Pas que c'est tout le temps mauvais, mais ça doit juste rester à sa place pendant que nous on essaie de faire juste ce que Dieu nous appelle à faire. C'est lui qui a échappé le bébé. C'est Miguel. Tu as échappé le bébé. Et plusieurs choses nous sollicitent, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a des jours qu'on va gérer mieux que d'autres. D'autres jours, on dirait qu'on n'a pas le contrôle, c'est quelqu'un d'autre qui a la télécommande qui nous dirige. Mais Dieu est quand même bon. Amen. Dieu reste quand même bon. Qui a eu une mauvaise journée? Qui a eu une bonne journée aujourd'hui? De vous la pas eu déjeuner. C'était bon ou c'était mauvais? Tiède. C'était comment? Tiède. Tiède. Des fois, il faut arriver à un moment donné où tu dis ok, bon. Là, j'ai subi, mais là, je refuse. Je refuse. Je vais juste rire. Je vais juste laisser lâcher. Et juste permettre à Dieu de te parler. Mais si tu restes saisi avec la journée, tu risques de passer même en côté de ça. Dieu veut nous dire. Amen.
Prend une autorité qu'on parle encore une fois au Seigneur. Alléluia, l'ouverture de cette étude.
Moi, je ne suis pas un animal. Moi non plus.
tu es là et tu te dis. On l'encontre toujours. Le Seigneur reste comme si c'est le plus âme de sa part. L'hippopotame, donc nous avons tous lu, hein?
relis-nous ce passage. Oui, Frère Midi avait répondu, il avait trouvé. J'avais oublié, j'avais pas lu à temps, mais il avait dit l'hippopotame. Il avait dit, il avait dit Job 40, je crois 15 ou un truc comme ça. Okay. C'est ça, il a sa tablette à la maison. Elle était rapide pareil. Voici, relis-nous le passage. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le veut. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son sein. Il plie sa queue aussi ferme qu'un sel. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu de l'air. Wow! Lui est la première des œuvres. Vous savez, tu sais, il y a de ces choses comme ça que ben, quand tu lis dans la Bible, tu es juste content. Et que la Bible, oui, ce n'est pas un livre scientifique, mais c'est un livre de faits qui nous déclare des faits. Mais non, regardez ceci. Toutes ces choses, on était en train de parler de la création, c'est comme ça qu'on est tombé là-dedans. Toutes ces choses ont été créées en un seul jour. Les animaux ont été créés en un seul jour. Les plantes, toutes les arbres, les variétés d'arbres que nous mangeons, que nous consommons, ont tous été créés en un seul jour. Les manguiers, les papatiers, les avocatiers, les guayaviers, tous ces fruits, tous ces arbres ont été créés en un seul jour. Mais quand vient le temps de créer l'Église, ça a pris au Seigneur 33 ans pour créer l'Église. Toutes ces choses ont été faites juste au son de sa voix. Mais quand est venu le temps de créer l'Église, ça a pris son sang, ça a pris qu'il mette sa gloire de côté, ça a pris qu'il soit humilié devant sa créature. Et l'Église a coûté cher à Dieu. Et l'Église, c'est la chose la plus précieuse de Dieu. Vous savez, un prédicateur a dit une fois que la deuxième personnalité le plus puissant, c'est l'Église. Après Dieu, c'est l'Église, parce que c'est l'Église qui est la reine, qui est l'épouse de Dieu. Et l'Église est précieuse. L'Église doit être respectée. Quand j'étais à Oshawa, j'ai parlé un peu sur l'Église, sur le fait que nous devons aimer l'Église. Nous devons chérir l'Église. Premièrement, nous ne pouvons pas être sauvés sans l'Église. Deuxièmement, le Seigneur a payé un grand prix pour l'Église. Et quand on parle mal de l'Église, on parle mal de l'épouse du Seigneur. Et ça, je ne pense pas qu'il va être content si on parle mal de son épouse. Amen. L'Église est précieuse. L'Église est glorieuse. Elle est unique. Il n'y a rien dans tout ce que Dieu a créé qui est comparable à l'Église. L'Église est née dans le feu. L'Église n'est pas née dans la fumée. Disons Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je veux faire un rétrospectif d'abord rapidement. Le Seigneur est ressuscité. Il circule sur la terre pendant 40 jours. Et le 40e jour, il monte au ciel. Mais là, avant de monter au ciel, il se réunit avec les disciples sur le mont des Oliviers. Et là, il leur donne la grande commission. Il leur donne les dernières instructions. Et là, les apôtres le voient monter au ciel. Lisons d'abord Actes 1, 5 à 8 avant d'aller à Actes 2. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans
peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Wow. Et il dit, ce n'est pas à vous de connaître ni le jour ni l'heure que le Père a fixé, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance a été aussi promise dans le livre de Luc 24, 49, qui dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et le Saint-Esprit a été promis depuis l'Ancien Testament. Je vais vous donner quelques références. Ésaïe 28, 11 à 12 est une des promesses du Saint-Esprit. Jérémie 31, 31 nous promet cette puissance d'en haut. Joël 2, 28 et 29 nous parle de ces jours-là où l'Esprit de Dieu sera versé sur toute chair. Mais non, il y a un autre passage dans le Nouveau Testament, ça c'est Jean 7, 37 à 39. Vous savez, il dit que celui qui a soif, il vient, nous pouvons tous recevoir le Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu que tous soient remplis du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, les gens vont venir à l'église et ils vont dire, votre église est drôle, parce que tout le monde parle en langue dans votre église. Écoute, si tu étais là le jour de la Pentecôte, tout le monde parlait en langue dans l'église le jour de la Pentecôte. C'est approprié que tout le monde parle en langue dans l'église, parce que c'est comme ça que Dieu l'a conçu. Un prédicateur qui, en fait, voulait argumenter la réception du Saint-Esprit, dit à un autre prédicateur pentecôtiste, il lui dit, ah, vous, dans votre église, tout le monde parle en langue. C'est pas normal. Il vient y avoir au moins 6 ou 7 ou 8 qui parlent en langue. Tout le monde marche. Et puis, le prédicateur pentecôtiste lui regarde et dit, combien est donc il y en a dans ton église qui parle en langue? Il n'y avait même personne qui parce qu'il n'enseigne même pas le baptême du Saint-Esprit. Mais il disait 6 ou 7. Si tu n'as même pas 2 ou 3, tu dis 6 ou 7. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous reçoivent le Saint-Esprit. Regardez comment ça a commencé. Acte 1, plutôt acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, une voix du ciel est venue comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur venait de s'exprimer. Waouh! Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. La première église, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et là, il y a un signe particulier qui était arrivé ce jour-là. C'est que des langues semblables à des langues de feu sont apparues et se sont divisées et se sont posées sur la tête d'un chacun. Maintenant, certains sceptiques vont dire tu n'as pas vraiment reçu le Saint-Esprit parce que je n'ai pas vu une langue de feu descendre sur ta tête. Qui a déjà entendu une telle chose? Ils vont dire, vous êtes toujours parlé en langue. Qu'en est-il de la langue de feu sur la tête? Vraiment, la langue de feu, c'est la seule place où tu vois ce signe accompagné la réception du Saint-Esprit, c'est cette place ici.
Mais je ne sais pas. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma conception. Ça, c'est ma compréhension, je devrais dire. Si je me trompe, ne vous inquiétez pas, j'irai quand même au ciel. Si je ne me trompe pas et que vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave, vous irez quand même au ciel du temps que vous obéissez à l'Évangile et vous persévérez dans la sanctification. Mais quand tu lis toute la parole de Dieu, le signe de feu comme réception du Saint-Esprit, tu ne le vois nulle part si ce n'est Jean-Baptiste qui le mentionne. Il n'y a que Jean-Baptiste qui mentionne cela. Il dit à celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de feu et d'esprit. Jean-Baptiste est le seul qui mentionne cela. Jésus n'a jamais mentionné cela. Et je crois, ça c'est encore une fois ma croyance, que Dieu a fait cette manifestation pour soutenir la parole de Jean-Baptiste. Parce que même dans la Bible, après le jour de la Pentecôte, personne d'autre n'a reçu le Saint-Esprit avec des flammes de feu sur sa tête. Mais ils ont tous parlé en d'autres langues. L'évidence de parler en langue, c'est l'évidence que tu vois partout. C'est l'évidence que tu peux aller même identifier et pointer dans toutes sortes de typologies à travers la Bible. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Une fois, quelqu'un m'a dit, « Ah, moi, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. J'étais au travail. » Je lui ai dit, « Ben, est-ce que tu parles en langue ?» Il dit, « Non. » J'ai dit, « Quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ?» Il dit, « Lorsque j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel, je dis, « Ah, ben, c'est parce que c'est pas ça que la Bible dit. » Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cela est évident. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou quelque chose de secret ou quelque chose qu'on ne peut pas identifier. C'est identifiable. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on sait que la personne a reçu le Saint-Esprit. Si on ne veut pas le savoir, ben on ne veut pas dire qui a reçu le Saint-Esprit et qui n'a pas reçu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les trembler, le Saint-Esprit, ce n'est pas se secouer et tomber. Non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quand quelqu'un parle en langue. C'est là qu'on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais non, si après que cette église est née dans le feu, nous pouvons constater une chose, c'est que l'église avait un seul message. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. Essayez d'étudier un peu ce que Paul prêchait. Essayez d'étudier ce que Pierre a prêché. Essayez d'étudier ce que Étienne a prêché. Essayez d'étudier ce que tous ces gens ont prêché. Ils ont tous prêché la même chose, l'Évangile. Ils n'avaient pas d'autre message. Leur prédication était centrée sur Christ. Pierre a prêché Christ. Et Christ, c'est vraiment le plan de Dieu pour nous. C'est notre plan de rédemption. Christ est devenu comme nous afin de nous montrer le chemin par lequel nous devons marcher pour être restaurés. Christ est venu là où nous étions. Alléluia. Il est venu exactement là où nous étions. C'est lui qui est venu. Quand on lit le contexte du message de Pierre, Pierre a prêché Jésus-Christ. C'était. Regardons. Acte 2 à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qui a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Bref, et tout son message est centré sur Jésus-Christ. Et c'est que la beauté de tout ceci, c'est que le jour de la Pentecôte, il n'avait pas le Nouveau Testament. Pierre n'a pas prêché ceci en regardant le livre des Actes. Le livre des Actes n'existait pas encore. Les évangiles n'étaient pas encore écrits. Il fallait attendre presque une trentaine d'années avant de voir le premier évangile être écrit. Donc, il va prêcher Jésus-Christ, mais il va le prêcher à partir de l'Ancien Testament. Il va prêcher Jésus-Christ, mais il va le prêcher à partir de Moïse et des prophètes et de tout l'Ancien Testament. C'est phénoménal. Remarquez le verset 21. Le verset 21 nous dit ceci. Alors quiconque invoquera, que tout le monde dise invoquera, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut vient par l'invocation du nom du Seigneur. Et si on n'a pas le nom, si on n'invoque pas le nom, on ne va pas parvenir au salut. Et Pierre a prêché fortement à Jésus-Christ qui est venu, que les Juifs ont rejeté. Non seulement ils l'ont rejeté, mais ils l'ont fait mettre à mort. Et après l'avoir fait mettre à mort, ils ont dû l'assévenir avec des gardes devant la tombe pour s'assurer qu'on n'allait pas voler son corps. Mais Pierre démontre avec force que malgré tout cela, Dieu a rendu témoignage à Jésus-Christ en le ressuscitant de mort le troisième jour. Et après avoir entendu le discours de Pierre, tous ces gens qui étaient là étaient touchés. Parce que Pierre est en train de leur dire littéralement, vous avez rejeté le Messie. Vous avez fait crucifier le sang innocent. Après avoir entendu ce discours, ils avaient les cœurs vivement touchés. Ils ont posé à Pierre et aux autres apôtres qui étaient avec lui, qu'allons-nous faire? Et la question reste pertinente aujourd'hui. Que ferons-nous? Face à notre état de pécheur, il y a toujours la question de quoi faire qui va toujours s'élever. Face à notre conditions naturelles, il y a toujours cette même question qui va s'élever. Que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Et Pierre a donné une réponse qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au verset 38 et 39 au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Le don plutôt du Saint-Esprit. Et il continue en disant, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et Pierre a donné avec une clarté de l'eau de roche, le plan du salut. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le plan du salut. Le plan du salut est clair. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça a été le plan du salut pour ces jours-là. Ça reste encore le plan du salut pour aujourd'hui parce que nous sommes encore dans le temps de l'Église. Nous sommes encore dans le livre des Actes. Maintenant, il est dit de Pierre qu'il était le premier pape. Amen. Il est dit de Pierre qu'il était le premier pape. Amen. Vous ne le croyez pas? Je n'ai pas dit qu'il est le premier pape. Je dis qu'il est dit de Pierre qu'il était le premier pape.
Il est dit aussi que un pape, c'est infaillible. J'ai dit, il est dit que le pape est infaillible. Vrai ou faux? Il est dit que le pape est infaillible. Ouais. Ouais, il est dit que le pape est infaillible. Il est le premier pape. Enfin, il est dit qu'il est le premier pape. Ben, tu ne peux pas se tromper. Donc, s'il est le premier pape et qu'il ne peut pas se tromper, et il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Quand est-ce que nous avons commencé à nous baptiser? Enfin, il faut écouter le premier pape. Hein? Pas les autres. Pas les autres. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais il y a un souci. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Des fois, nous avons cette pensée ou cette tendance à penser que, ah, ces jours-là, Pierre a dit tout simplement, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et tout le monde a couru à la rivière pour se faire baptiser. Et là, toi tu enseignes, tu prêches, la personne ne bouge pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ce n'était pas différent pour Pierre que ça l'est pour nous. Regardez le verset 30, le verset 40, à partir du verset 40. Ça, j'ai une question par rapport à... Au pape? Ouais. Attends, juste, garde la fille, juste une seconde, je vais juste finir ça, ce bout de pensée. Oui. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Il ne leur a pas dit tout simplement, répentez-vous, chacun de vous soit baptisé et puis c'est fini. Il a dit, donné plusieurs autres paroles. Il a... continuer de le presser avec la parole. Il a sué, il a transpiré avant de les amener à la repentance. Tout le monde n'est pas comme Déborah. Avec Déborah, c'était l'une de trois. On était... Pour moi, ça a pris des années de conjurer. Oui, c'est quoi la question, monsieur le pape? Oui, mais c'est ça, je ne comprends pas par rapport au premier pape. C'est ça, là, c'est comme... Et c'était un peu une façon de parler, parce que j'ai dit, il est dit que... C'est pas la parole de Dieu, mais ce sont les idées des gens. Les catholiques disent que Pierre, c'était le premier pape. Ah ok, mais ça, c'est pas écrit dans la Bible. Non, il n'y a pas de pape. C'est ça. Dans la Bible, il n'y a pas de pape. Ok. C'est juste. Le pape, ça n'existe pas. Si tu regardes, toute l'hiérarchie catholique a été copiée, au fait, dans ce qui existait comme gouvernement séculier. Le pape, qui est le dirigeant mondial, comment on appelle encore le cardinal qui est le dirigeant national, et puis dans les provinces, il y a des évêques, des monseigneurs qui sont des gouverneurs régionaux, et puis des curés qui sont dans différents comtés, différentes paroisses. Vous savez, dans certaines provinces comme la Louisiane, on appelle encore les comtés, on les appelle les paroisses. Ils ont gardé l'ancienne appellation, c'est les quartiers ou les comtés.
comté, je ne sais pas, c'était des paroisses. Donc, ce n'est pas qu'il y a des papes dans la Bible, mais pape, c'est il y a, vous savez, je pense que quand tu vas au Vatican, dans les droits, c'est écrit, le titre du pape, c'est Vicarius. S'il y a quelqu'un qui connaît ça. Vicarius. Vicarius Filii Dei. Ça, c'est le titre du pape. Vicarius Filii Dei. Ça, c'est du latin. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi le latin. Déborah, toi aussi, tu as fait le terrain. Non. Okay. C'est Lise qui a fait le terrain. Oui? Vicarius Filii Dei. Parce que
là, on doit prendre d'autres mesures. Mais le premier pas dans le plan de Dieu, c'est dans le plan du salut, c'est ça prend la repentance. Oui. Ce n'est pas, très souvent, ce n'est pas une question de compréhension, mais une question de confession. La façon de faire, c'est ça la façon. Mais on va faire face à des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas, parce qu'on fait face aux facteurs humains. Parce que le problème, ce n'est pas la méthode, c'est l'homme. Oui, parce que c'est difficile. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. C'est difficile qu'on prie. En quoi? Qu'on prie. Okay. Parce que on amène, mettons, 15 étudiants. Mm-hmm. Bon. 5 disent, ok, on veut se faire baptiser. Bon, si on leur dit, revenez d'abord mercredi, on va faire l'étude. Ce sont des étudiants. Ils parlent là, tu sais, ils meurent là de froid. On ne sait pas. On fait seulement ce que la parole de Dieu demande. Et puis le reste, c'est Dieu qui décide. C'est moi-même, moi qui vous parle, moi-même aussi. Bon, je n'étais pas itinérant, mais quand. On m'a baptisé et puis je suis parti de l'église. Je ne suis pas revenu pendant un an. Et moi, je peux vous dire avec assurance que si on ne m'avait pas baptisé ce jour-là, je ne serais probablement jamais revenu. Jamais. Je serais probablement ailleurs. C'est difficile et c'est très déchirant des fois quand tu es face à de telles décisions. Mais face à une telle situation, tu fais juste ce que la parole de Dieu recommande parce que tu ne peux pas connaître la motivation de la personne. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui vont être sincères et il y a des gens qui ne vont pas être sincères. Mais mais non, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est être convaincu de nos péchés. Il faut qu'on soit convaincu de nos péchés passés. Il faut qu'on sache que c'est le péché. Parce qu'il y en a qui discutent sur le péché. Il y en a qui vont te dire que si j'ai faim et que je vole à manger, ce n'est pas péché. Voler, c'est péché. Point final. Même si tu as faim. L'autre jour, je ne sais plus c'est qui m'a envoyé cela. C'est des trucs de la petite fille là, nigériane qui fait les comédies. Emmanuela. Et il y a un petit garçon qui vient avec un bol de nourriture. Il vient comme si il vient en coin, il regarde en arrière. Et puis il y a son oncle qui est là à côté. Et l'oncle dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, il dit, mangeons, mangeons. Là, il mange à deux, c'est comme si... Le petit fait comme s'il avait volé la nourriture. Et là, la dame vient, il dit, ah, tu as déjà mangé toute la nourriture que le petit a... Toute ta nourriture que le petit a amenée. Et puis, il dit, quelle nourriture? Ma nourriture? C'était pour moi. Et le petit, il a truqué comme ça pour pouvoir manger avec lui. Ça, c'est comme tu te voles toi-même. Et puis, l'oncle regarde le petit avec les yeux. Et puis, le petit lui dit, ah, oncle chiche. Et parce que le petit,
savait que s'il démarre, l'oncle ne va pas dormir. Alors il a fait semblant comme s'il a volé la nourriture, comme ça qu'ils vont manger ensemble. J'avais un ami, pas vraiment un ami, un ami à mon frère, à mon tombeau, qui s'appelait Serge. C'était un faiseur de troubles comme pas possible. Comment vous commencez à dire comme ça? Il était fils unique, mais un faiseur de troubles. Tu sais, il était tellement turbulent que ses parents étaient fatigués. Il l'envoie à l'internat. À l'internat, on est aussi fatigué de lui, on le chasse de là, on le retourne à la maison, toujours en train de faire des dégâts. Maintenant, un jour, il rentre à la maison, il voit des papayes dans le frigo. Là, il ne savait pas c'était à qui. Il a pris, il a mangé en cachette, et il est parti. Et puis, quand il rentre, sa mère dit à ses cousines qui étaient là, « Oh, va chercher les papayes dans le frigo, il vient donner à Serge. » Et la cousine va et dit, « Il n'y a pas de papayes. Qui a mangé les papayes? Quelqu'un a volé les papayes. » Et lui, il dit, « Quelqu'un a volé les papayes. » Il ne voulait pas dire que c'était lui. Parce que... Et là, sa mère a dit, « Moi, j'ai laissé les papayes pour Serge. Vous avez volé. » Et là, maintenant, il ne pouvait plus revenir sur ce qu'il avait dit, parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas mangé. Et là, il est venu raconter l'histoire, il dit, « Je me suis volé moi-même. Voler, c'est péché. Mais nous devons éprouver du remords. Mais tout remords n'est pas une repentance. Nous devons être sincèrement désolés et nous devons nous détourner du péché futur. Et c'est ça la repentance. Oui. La cure d'âme, c'est une sorte de repentance. Non. Pourquoi? Cure d'âme, ce n'est pas une sorte de repentance. Cure d'âme, c'est quelque chose de très dangereux, en fait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cure d'âme, une cure d'âme, c'est quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dis tout. Les choses que tu as fait dans le passé, toutes les mauvaises choses, tu dois le dire. Au fait, dans la Bible, il n'y a pas une telle pratique. La seule place où tu vois une telle pratique, c'est dans le baptême. Au fait, quand ils se disent toutes leurs choses comme ça, ils restent liés entre eux. Et c'est la connaissance du mal ou des défauts de l'autre. Au fait, dans l'occultisme, ils vont même te faire des mauvaises choses. Comme ça, ben, parce que si tu veux partir, on va dire. Et c'est par ça qu'on te contrôle, on te manipule. Ce n'est pas une pratique biblique, la cure d'âme. Et les psychologues font la même chose. Tu vas chez un soi-disant médecin psychologue, tu te couches sur un canapé, tu lui dis, et puis lui, à ce temps-là, il mange son crayon. Et là, après, tu lui donnes l'argent, puis tu pars. Va prier. C'est la même chose que prier. Va au moins prier à un Dieu qui peut t'aider. Au lieu de... Et qui ne te demande pas de payer. Allô? On ne fait pas de cure d'âme. C'est pas biblique. Mais non. Je vais raconter une autre petite histoire. Là, c'était dans une église il y a longtemps. Sauveur nous racontait cette histoire. Le prédicateur a prêché. Et la conviction était sur les gens. Et les gens sont allés en avant. Et ils priaient, ils se répandaient. Là, il y avait une jeune fille qui est allée en avant. Elle pleurait vraiment. Elle était en larmes. Elle pleurait. Et là, le prédicateur la regarde et dit, waouh, ça, c'est comme
ça que les gens se répandaient dans l'ancien temps. De nos jours, les gens sont devenus tellement durs, tellement insensibles. C'est rare de voir une repentance aussi sincère, authentique que celui-ci. Et là, après, une personne va dire, ne t'inquiète pas, le Seigneur t'a pardonné tes péchés. Il se retourne et dit, non, je ne prie, je ne demande pas pardon pour mes péchés. Mais pourquoi tu pleures autant? Je pleure parce que mon copain m'a quitté. Elle pleurait parce que son copain l'avait quitté. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure que c'est la repentance. Amen. Et il y a des gens qui vont pleurer facilement. D'autres, pleurer c'est difficile. Il y a des gens qui vont rire facilement. D'autres, rire c'est difficile. Mais la repentance, ce n'est pas seulement pleurer. Les pleurs vont accompagner la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas seulement pleurer. Chaque pleur, ce n'est pas une repentance. Il faut qu'il y ait vraiment éprouvé du regret ou du remords pour ses péchés et prendre la décision de se détourner du péché. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Dans Matthieu 3, verset 2, il a prêché la repentance. Dans Marc 1, verset 4, il a prêché la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a prêché la repentance. Dans Luc 13, 3, le Seigneur Jésus a prêché la repentance. Dans Luc 24, 47, il a prêché la repentance. Sans la repentance, nous ne pouvons pas lui être agréable. Pierre, le jour de la Pentecôte, il a commencé son message, plutôt sa réponse à la question, en disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La repentance vient en premier. La repentance est primordiale. Sans la repentance, tout le reste est superficiel. Si notre repentance n'est pas sincère, notre marche avec Dieu sera superficielle. Notre marche avec Dieu sera aussi profonde que notre repentance l'est. Pas de repentance, pas de marche. Repentance superficielle, marche superficielle. Tu peux avoir une expérience spirituelle. Cela n'est pas nécessairement une repentance. Nous devons nous repentir. Quelqu'un peut me lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Deuxième épître de Pierre 3, 9. Ne voulant qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. Et si on n'arrive pas à la repentance, on va à la perdition. Et sans la repentance, c'est la perdition. On ne peut pas parvenir au salut sans la repentance. La repentance est le premier pas vers Dieu. La repentance est très importante. Après la repentance, vient l'ensevelissement avec Jésus-Christ par le baptême. Le baptême, donc, c'est notre ensevelissement avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous devons être baptisés? Nous devons être baptisés par immersion. Et quelle formule devons-nous utiliser? La formule qui doit être utilisée, c'est le nom de Jésus-Christ. Qui pour revenir un peu à cette question, qui devait être baptisé? Tous les croyants du Nouveau Testament ont été baptisés par l'immersion dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans le Nouveau Testament, pour qu'on te qualifie de chrétien, il fallait que tu sois répandu, baptisé au nom de Jésus-Christ et rempli du Saint-Esprit. Si tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, on ne te qualifie pas vraiment comme chrétien.
mais ce n'est qu'aujourd'hui où nous voyons tout le monde juste peut devenir chrétien en remplissant quelconque formulaire dans quelconque assemblée. Très souvent, on va même me demander, « Pasteur, vous n'avez pas de carte de membre dans l'Église ?» Non, nous n'avons pas de carte de membre. Nous ne tenons pas de registre de chrétienté. Notre registre de chrétienté, c'est notre marche avec Dieu, le témoignage de notre marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et plusieurs références au baptême qui doit être, premièrement, qui est nécessaire, qui doit être fait par immersion partout où ils étaient baptisés, ils étaient. Il y avait assez d'eau, ils étaient ensevelis, ils étaient trempés dans l'eau, ils n'étaient pas aspergés. Le baptême doit être fait par immersion. Mais non, la question du Saint-Esprit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Jésus nous dit dans Jean chapitre 3, verset 5, Jean 3, 5. C'est comme si je disais, ça prend une chemise blanche, une veste bleue et une cravate bleue pour entrer dans la fête. Si je dis, ben, moi j'ai la chemise blanche, mais
Mais la question de qui va où, on va la regarder quand on va étudier l'Apocalypse. Il y a une réponse plus claire, plus précise et plus unique par rapport à cela. Donc, je dois être né d'eau, je dois être né de l'Esprit. Parce que la Bible le dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, après que Jésus ait dit ceci, je vais m'échapper un peu de cette lourde responsabilité. Mais imaginez-vous, Jésus est là. Bon, imaginez-vous 2000 ans en arrière. Vous êtes sur le bord de la mer de Galilée. Et là, le Seigneur est en train d'enseigner. Et il dit, en vérité, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, on me pose la question. Et si je n'ai pas été baptisé d'eau, que pensez-vous qui sera la réponse de Jésus? Mon peuple périt par faute de... Waouh, ça c'est cher. Ça coupe. Mon peuple périt par faute de connaissance. La manque de connaissance peut t'amener à la perdition. Ça peut nous amener à la perdition. Et encore là, ce n'est pas une question simple. Ce n'est pas une question simple. C'est pourquoi Dieu a dit, Dieu a rendu d'abord sa parole accessible à nous. La Bible, c'est le livre le plus vendu. Moi, je suis sûr que personne ne va pouvoir se justifier ce jour-là. Si tu es dans le tort, tu seras dans le tort. Et si tu es dans le vrai, tu seras dans le vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible qui ne comprennent pas comme ça. Et pourquoi ils ne comprennent pas? Personne ne l'interprète. Mais c'est qui est responsable de l'interprétation? C'est eux-mêmes. Mais je pense que c'est aussi l'entourage, dans le sens on te le raconte d'une manière d'interprète un peu comme... Tu sais, il y a plein de choses que on nous raconte, mais quand notre intérêt est dedans, on va mettre ça en route. Tu sais, il y a une chose sur laquelle moi je dis qui fonctionne toujours. La soif, personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer Dieu, quelqu'un désirer Dieu et passer à côté de la connaissance. Parce que si tu as soif, Dieu va envoyer quelqu'un. Mais très souvent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés. Ça semble être un jugement dur, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui j'ai déjà partagé la parole avec des gens. Quelqu'un qui te dit, moi je suis né dans mon église, je veux mourir dans mon église. Autrement dit, la vérité ne m'intéresse pas. Je suis confortable là où je suis. Je suis à l'aise. Tu vois, quelqu'un m'a dit une fois, quelqu'un m'a dit une fois, toi tu penses que c'est seulement toi qui as raison et tous ces prêtres catholiques ont tort. Ça semble lourd comme charge à porter. Tu commences à te mettre même en doute toi-même, parce qu'il y a beaucoup quand même de prêtres catholiques. Mais ben ça c'est juste la section qui l'intéressait à la personne. Oui, mais regarde ça, c'est pas juste les prêtres catholiques, c'est tout le monde qui pense autrement. Voilà, maintenant, moi, le Seigneur m'a fait grâce. Je lui ai dit, non, ce n'est pas que moi j'ai tort ou les prêtres catholiques ont raison, que moi j'ai raison ou les prêtres catholiques ont tort.
c'est qu'il faut nous comparer par rapport à la Bible. Si tu me compares, moi, au prêtre très catholique, tu risques de te retrouver avec nous deux que nous avons tort et tu finis quand même à la mauvaise place. C'est une possibilité. Mais compare-moi par rapport à la Bible. Et compare-les par rapport à la Bible et tu verras qui a tort et qui a raison. Et la discussion était. Waouh, waouh! Des fois, on veut nous culpabiliser. Écoute, si j'ai la parole, j'ai la parole. Même s'il y a 150 millions qui sont dans l'erreur, la vérité reste. La Bible reste la dernière source de référence pour tout ce qui s'est déclaré. Parce que c'est triste quand on regarde souvent des croisades comme. Il y a un moment en Afrique, puisqu'il y a, je ne sais pas trop, mais ils disent, il y a 1 million de personnes qui ont accepté Christ comme leur sauveur. Et là, finalement. Oui, triste, ça c'est vrai, je partage ce sentiment-là. C'est vraiment triste. C'est pourquoi nous devons être encore plus agressifs. C'est pourquoi nous devons prier comme jamais auparavant. Nous devons évangéliser comme jamais auparavant. Écoutez, si on va 10 ans en arrière, presque vous tous vous n'étiez pas là, mais quelqu'un est sorti dehors, il a fait rien. Nous sommes là. Nous devons travailler. Nous devons juste travailler. Parce que c'est triste. Mais on ne peut pas changer. La tentation, c'était juste de dire, oh, nous tous nous sommes corrects. Non, non, non. Nous tous nous ne sommes pas corrects. Ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas dire deux choses contraires et prétendre à dire au même jugement. Intellectuellement, c'est mal. C'est quoi la question? C'est pas une question. Oui, chaud. J'avais une amie, elle avait une femme de couple, elle était vraiment dans le bain. Puis, il y a longtemps, quand je venais d'arriver ici et que bon, moi aussi j'écoutais ce qui était dit ici, donc après, quand j'ai pu commencer par le dire, et elle disait qu'elle comprend, elle voit que c'est vrai, mais elle est née grandie dans une famille catholique. Et tant que son papa est vivant, elle ne peut pas refaire son baptême parce que c'est vraiment comme si elle crée des problèmes dans la famille. Mais pas besoin qu'on avait commencé l'étude biblique, mais elle voulait vraiment, tu vois, mais c'était comme ça le truc. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a arrêté, mais moi je ne savais pas qu'elle continuait à regarder les yeux. Ça s'est fait que 4 ans après, genre il n'y a pas longtemps, son papa est décédé. Et un mois après, elle s'est fait baptiser mon Jésus, elle a cherché une église. Oui, on l'a baptisé comme toi, elle voulait vraiment écouter ça. Wow. C'est... Quelle belle histoire. La honte de quelqu'un. Non, mais la persévérance de quelqu'un. Ouais. Mais là, il faut déjà commencer à prier que le papa meure avant. Il faut... Tu sais, il y a des gens qui revêtirent le nom de Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas juste des problèmes, c'est la mort. Ouais. Mais ils le font quand même. Et, tu sais, il y a des gens qui naissent dans... Tu sais, on a des gens qui prêchent cet évangile en Afghanistan, en Iran, ils sont là-dedans. Ils baptisent des gens en secret. Des fois, ils vont aller... faire semblant à la rivière comme si c'est béni. Là, ils les baptisent en catimini. Il y a des gens qui rentrent en Chine, qui vont... il faut qu'ils changent de voiture 4 fois pour arriver à une place où il y a une réunion. Et là, ils enseignent, ils ne peuvent pas faire plus de 30 minutes, et puis tout le monde se disperse dans le monde.
Moi, ça m'a regardé un peu l'arche de Noé. Si tu n'es pas entré dans l'arche de Noé, tu ne seras pas sauvé. Que tu saches ou que tu ne saches pas, si tu entres, tu es sauvé. Si tu n'entres pas, tu ne l'as pas. C'est dur. Jésus a dit, répondez-vous. Pierre a prêché la repentance. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé. Paul a prêché la repentance. Jésus a dit, a prêché le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pierre a prêché le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Paul a aussi prêché le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Des fois, on lit la Bible comme si on est sélectif. On prend les versets qui font notre affaire, et on délaisse ceux qui ne font pas notre affaire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas parce que pasteur Dieudonné Kaosi dit. Nous devons nous repentir, nous devons être baptisés d'eau, et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et quand nous savons tout cela et le processus est complété. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? L'odeur de la nourriture commence à distraire les gens, même si je parle fort comment. Personne ne me suit plus. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Il n'y a pas de questions. Ah, voilà, vous savez qu'il y en avait. Quand vous avez parlé des gens baptisés par rapport au baptême de feu, le baptême de feu, c'est quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est quoi? Bon, le baptême de feu, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Le baptême de feu ou le baptême du Saint-Esprit, c'est le même baptême. Mais Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Ce n'est pas deux baptêmes différents, mais c'est qu'il fait référence au baptême du Saint-Esprit. Et c'est le seul qui a, au fait, associé le feu au baptême du Saint-Esprit. Aucun autre n'a fait cette association. Le jour de la Pentecôte, c'est le seul moment où tu vois le signe de feu descendre. Mais après cela, il n'y a plus eu de témoignage de feu comme évidence du Saint-Esprit. Parce que l'évidence du Saint-Esprit, que tu remontes dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, c'est le parler en langue. Ce n'est pas le signe de feu. Et moi je crois que Dieu a honoré les paroles de son prophète en faisant apparaître le feu, mais c'est pas là l'évidence du service. Maintenant, aujourd'hui tu peux entendre des histoires, surtout en Afrique, que les gens allaient à l'église et louaient, et quand les gens le regardaient, ils avaient le feu sur eux. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire? Jamais! Beaucoup de...
histoires comme ça que les gens allaient en train de louer et là on voyait le feu sur eux, ou les satanistes, quand ils nous voient, ils voient un feu sur nous. Bon, c'est la même version, c'est la même histoire mais différentes versions. Le Saint-Esprit est typifié ou exemplifié de foi dans la parole de Dieu comme étant le feu. L'évidence du Saint-Esprit, c'est le grand miracle. On peut le retracer dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit que celui qui reçoit l'Esprit, on l'entend. Tout homme qui reçoit l'Esprit, on le va entendre. Amen. On va se lever alors et on va conclure en prière. Pasteur Yannick, si tu peux conclure en prière. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Nous prions pour que tu nous touches, Papa, et que nous mettions en pratique cet enseignement. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Nous prions aussi, Seigneur, pour que tu bénisses ce repas que nous allons partager, que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions pour que tu ouvres ces portes, Papa, et que tu frappes, Papa, cette résistance ici au Canada et partout pour le réveil. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.